j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog ensemble. Donc nous sommes lundi, il est exactement 11h15 et je m'apprête à sortir. On va aller avec Lilo en fait, je vais passer chez Action. Je vais aller voir, j'espère en trouver une petite panière de rangement. J'en ai besoin en fait en ce moment. Je suis en train de faire le tri dans les dressings, le nôtre, aussi celui de Lou. Et puis voilà, je vous embarque avec moi pour. Je vais pas vlogger chez Action, les filles. J'aime pas trop filmer dans les magasins. Enfin, sauf quand le magasin est vide. Mais Action, hein, voilà, il y a toujours du monde et je suis pas à l'aise. Moi personnellement, je serais pas à l'aise qu'une personne me filme. Donc voilà, je vous reprends à la maison et je vous montre ce que j'ai trouvé chez Action. À plus tard. Les filles, je vous reprends à la maison. On vient tout juste de rentrer. J'ai posé donc tout ce que j'ai trouvé chez Action. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu partages ça avec les filles. Ça mérite vraiment un haul Action. Parce que pour le coup, franchement, j'ai fait de jolies trouvailles. Ouais, je suis contente. Il y avait plein de choix. En plus, ça allait super bien avec, avec le thème de notre déco. Donc voilà, je me suis un petit peu lâchée. Vous allez voir, j'ai tout acheté, sauf les panières en question, parce que bah, il n'y avait tout simplement plus la dimension qu'il me fallait. Donc, mais en tout cas, voilà, je voulais partager avec vous. Si jamais vous avez Action pas loin de chez vous, les filles, franchement, foncez, parce que ils ont ramené pas mal de choses. Alors, c'est parti. Par quoi commencer? J'ai pas trié par ordre ou quoi, les filles, donc je vais vous montrer ce qui me passe sous la main. À commencer par cette petite bouteille, comme ça, beaucoup trop jolie. Moi, je vais mettre dedans de l'huile d'olive. Voilà, c'est un style oriental, un peu berbère. Après, les filles, je vais pas vous détailler les prix. J'ai le ticket de caisse, mais comme je vous disais, j'ai pris tellement de choses. Voilà, après, c'est du Action, ça coûte pas très cher. J'ai également pris deux bacs de rangement pour le frigo. Hop, bon, là, ils sont coincés, mais il y en a deux. Il m'en fallait justement pour compléter le frigo parce qu'il est sur 3 étages. Donc voilà, il m'en manquait 2. J'ai pris également ce petit plateau à pizza. J'en ai déjà un et pour compléter, voilà, moi j'en ai 2. Parce qu'à chaque fois, lorsque je faisais une pizza, j'attendais toujours la première cuisson pour envoyer la deuxième pâte. Je suis tombée in love, les filles, de cette petite poubelle. Beaucoup trop jolie. Vous allez le voir, dans ce qui est déco, vous allez voir beaucoup de choses foncées. Principalement du noir, du gris anthracite, etc. En ce moment, je suis à fond dans le noir. Je trouve que ça va bien avec mon salon. Surtout depuis qu'on a changé de canapé, ouais, je suis plus attirée en fait par le noir chaud, que ça habille bien le beige. Enfin bref, je suis en train de m'étaler. Ceci n'est pas pour le salon. Je sais pas encore si je vais mettre cette petite poubelle dans les toilettes. Après, je vous avoue que pour les toilettes, on ne se sert pas de poubelle. Enfin, voilà, tout ce qui est serviette hygiénique ou quoi que ce soit. Je suis la seule femme à la maison, mais je jette tout de suite à la poubelle. Mais je sais que les garçons ne s'en servent pas non plus. Je pense que je vais plus mettre ça dans la salle de bain. J'en aurais besoin moi lorsque je me maquille, je me démaquille plutôt. Donc tout ce qui est coton démaquillant ou les petites lingettes comme ça, lorsque je débarbouille Lilou, ouais, je vais plutôt la mettre dans la salle de bain. Ensuite, alors ça c'est fait, la petite bouteille, je vous l'ai montré. Les filles, on va faire un DIY ensemble. Je vais d'abord vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. J'ai également acheté cette bouteille diffuseur comme ça avec des bâtonnets. Enfin, après, c'est un diffuseur classique avec une petite bouteille et des bâtonnets. J'ai également pris cette bougie que je trouve vraiment trop belle. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est assez net pour vous? J'espère que oui. Comme je vous disais, je suis vraiment à fond dans le noir en ce moment. Alors, au niveau de l'odeur, elle a l'air de sentir bonne, mais je vais pas la faire brûler, moi. C'est juste pour la déco, comme ça. Ensuite, j'ai pris ce petit bouquet composé de je sais pas quoi. Ça ressemble un peu à de la lavande, mais c'est juste, voilà, c'est pour de la déco. J'ai pris ce plateau également noir. Hop, il existait en 3 dimensions, donc plus petit, ça c'est le moyen que j'ai pris. Plus grand que ça, et celui-ci, mais j'ai pas les dimensions des filles, donc désolé. Et ça du coup j'en aurais besoin pour mon DIY. C'est en faisant le tour chez Action que je commençais à avoir plein d'idées de changements comme ça dans mon salon. Vouloir faire des DIY, reprendre des choses, les repeindre, etc. Et je suis tombée sur ce vase juste magnifique. J'ai vu exactement le même la semaine dernière, donc au Galeries Lafayette, le stand home. Le truc faisait 49,99€ et là je l'ai payé donc 4,99€. Mais je compte le repeindre, les filles, je vais pas le laisser comme ça, donc on va faire ça ensemble. Voilà en ce qui concerne la déco. Ensuite on a pris de la bouffe. Je vais vous montrer. Il y a du Kinder ici pour Lilou. Alors ça, les filles, c'est juste un délice. En fait, c'est des petits biscuits fourrés au cacahuète et au beurre de cacahuète et enrobés de chocolat. Donc on a pris chocolat noir et chocolat blanc, c'est juste trop bon. Mais qu'est-ce que c'est sucré. Voilà, on en mange juste un, ça suffit. J'ai pris également des petits gâteaux comme ça, c'est des petites tablettes à la fraise, ça c'est pour Lilou, il aime bien. Ça c'est mon mari, il a pris ça, donc c'est une sorte de pâte feuilletée fourrée à l'abricot. Ma foi, je connais pas. Ça m'a l'air pas mal du tout. Nous sommes en pleine période de vacances, donc j'ai pris pour Lilou ce set de pâte à modeler. Voilà, ça va un peu l'occuper. Il aime bien reproduire les animaux, la nourriture. Il me fait des pâtes, du pain. La dernière fois, il a fait
une sorte de pizza avec des olives et tout. Il aime bien faire des choses avec la pâte à modeler. Ensuite, je lui ai pris des crayons de couleur et un petit cahier de Mickey. C'est un cahier de coloriage. Là, je vais vous montrer les produits d'entretien. Pareil, j'en ai pris beaucoup. Bon, là, j'ai pris un rouleau de papier film. Les produits que je prends en action, bon, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est leur produit best-seller. Donc, j'ai pris ce nettoyant Hop Cuisine qui est juste excellent. J'ai pris ça aussi, ça je peux pas m'en passer. Je fais du stock à chaque fois, je crois qu'il me reste deux bouteilles, mais pas rose, bleu. J'ai également pris du bicarbonate de soude. Alors ce produit je connais pas en fait, c'est un déboucheur bio. En ce moment je rencontre un peu des problèmes de canalisation, surtout dans la salle de bain. C'est dû, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, à ma chute de cheveux, je perds beaucoup de cheveux. Et c'est vrai que ces derniers temps on a eu ce problème en fait de baignoire bouchée. Donc je me suis dit ça pourrait me dépanner. Ce spray des filles, faites-moi confiance, si vous allez chez Action, prenez ça, ça coûte pas cher du tout. Je crois qu'il coûte 1,29€, peut-être un peu plus, ou 1,49€, quelque chose comme ça. En tout cas ça dépasse pas les 2€. Et mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Pour celles qui connaissent le parfum Invictus, donc pour hommes, ça sent exactement pareil. Moi j'aime bien en mettre dans mon dressing, dans le linge de lit. Même après avoir aéré, fait le ménage, je mets un petit coup comme ça. Ça sent hyper bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des pastilles de Javel pour les toilettes. Hop, j'ai pris de la peinture justement pour repeindre le vase. J'ai pris une brosse pour nettoyer le lavabo. Une petite lavette noir, la meuf elle est dans sa période noire. Après ce qu'il y a dedans les filles, c'est tout ce qui est lampes, piles et tout, ça c'est pas très intéressant on va dire. Ah oui les filles, j'ai failli oublier, attendez je reviens. Les filles, je suis tombée sur de la vaisselle juste dingue. Je vais vous montrer. Hop, c'est de la porcelaine, ça coûtait un peu plus cher qu'un bol classique de chez Action, mais je les ai trouvés juste magnifiques. Alors pourquoi j'en ai 3, j'en ai pris 4, le 4ème est en bas. Alors les voici, je vous les montre, j'ai pris donc 4 bols. Alors, je vais les poser par là, hop, pas les faire tomber. Donc 4 bols, j'ai pris deux grands, enfin grands, ils sont plutôt moyens, deux grands saladiers comme ça, je me suis dit un pour la salade et un voilà pour des pâtes, du riz ou même de la viande. Depuis le temps que je veux changer tout ce qui est assiette, enfin la vaisselle pour tous les jours. Et j'ai également pris, hop, 4 assiettes plates, voilà. D'une taille moyenne. Pareil, j'ai pas les prix les filles, mais comme je vous disais, ça coûte. Je crois que l'assiette elle faisait 5,99€. Et je me répète, c'est de la porcelaine, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pris également deux coussins. Je vous avais montré la dernière fois des housses de coussins que j'avais acheté chez Maison du Monde pour le salon. Il me manquait justement les coussins, donc voilà, j'en ai pris deux. Et voilà les filles pour tout ce qui est Action. On va faire le DIY ensemble, comme ça le vase il a le temps de sécher. C'est parti les filles, on va faire ça ensemble. Hey les filles, je reprends après une bonne douche.
Je finis un peu dans mes tiroirs parce que je sais plus où j'en suis niveau masque, soins, tout ça. Plus les masques et gommages parce que les soins forcément j'en applique tous les jours. Je sais ce que je mets, mais c'est vrai qu'au niveau des masques et gommages, il va falloir vraiment que je me dégage du temps pour faire les deux tiroirs parce que c'est juste plus possible. J'ai retrouvé ce masque que j'adore. Franchement, j'adorais l'utiliser avant de faire mon traitement de Roaccutane. Mais pendant le traitement, c'est vrai que j'aimais pas trop l'utiliser. Ma peau était déjà bien asséchée, bien prise par le traitement. Donc, je voulais pas l'agresser davantage. Et je vous montre, les filles, c'est celui-ci. En fait, c'est un masque. Vous voyez pas bien. En fait, c'est un masque nettoyant 2 en 1, si vous voulez. C'est un produit 2 en 1 de chez Bioré pour les imperfections. Donc, élimine impuretés et purifie les pores. Et il est juste génial. Et je voulais juste vous en parler, les filles, parce qu'il est trouvable en grande surface. Moi, je le prenais un peu partout. Hein, Casino, Carrefour. Ouais, Casino et Carrefour, je sais qu'ils en font. Si jamais, les filles, c'est vraiment un produit génial. Alors, c'est pas un masque qui va sécher ou durcir, pas du tout. C'est ça s'appelle crème fouettée. Si mes souvenirs sont bons, alors masque détox purifié de façon crème fouettée. Faut laisser poser 5 minutes. Moi, je laisse toujours plus, 10 à 15 minutes. Je vais laisser poser le temps de me refaire mon vernis, le laisser sécher. Comme en plus, j'ai repeint le vase en noir. Ils sont juste dégueulasses là, mes ongles. Ah oui, à propos du vase, les filles, en train de sécher tout doucement. Mais j'aime déjà le rendu parce qu'en fait, c'est un rendu mat. Mat lisse, je sais pas comment vous expliquer. Je vous montrerai du coup demain la lumière du jour. Moi, je vais finir l'application du masque. Je vais me faire un petit vernis sympatoche. Et je vous reprends demain parce qu'il n'y a plus rien d'autre d'intéressant à voir pour vous. Ni pour moi, du coup, pour vous partager. Je vais juste aller me poser. Les garçons, ils sont sortis, ils sont partis en balade au parc. Ils sont partis faire du vélo avec son papa. Et moi, je vais profiter d'un petit peu de calme et puis je vous reprends demain matin. Alors il est 11h30, recoucou les filles, je vous reprends le lendemain matin, enfin en fin de matinée. J'ai passé la matinée clairement à faire du tri dans la chambre à Lilou. J'ai enlevé, regardez tout ce qui est par là, ce qu'il y a là, c'est ce que je vais donner. J'ai déjà mis une bonne partie dans un grand sac cabas Action. Et tout ce que vous voyez par ici, en fait, c'est ce que je viens de repasser, c'est ce que je vais mettre sur Vinted. Il reste également des manteaux, je vais mettre 2 manteaux, des chaussures. Enfin voilà, ça m'a pris une bonne partie de la matinée. Là, comme je vous disais, j'ai repassé, donc je vais juste les mettre, faire les photos sur Vinted. Moi, ce que je fais sur Vinted, en tout cas en ce qui concerne les affaires de Lilou, c'est que je compose des tenues. Donc je mets un haut et un bas, comme ça la personne paye pas cher. Et puis ben, ça lui fait 2 articles. Au lieu de mettre un pantalon par exemple à 5 €, ben, je mets les deux, voilà, le haut et le bas à 5 €. Donc voilà, j'ai ça à finaliser. Et ensuite cet après-midi, j'aimerais bien également faire ça de mon côté, mon dressing à moi. Et puis voilà, je fais le tour, j'en profite qu'on soit à la maison, que Lilou soit en vacances. Comme ça, tous les jours, je fais quelque chose avec le printemps qui arrive et tout. Ça va permettre de faire du tri. Comme ça, je rachète de nouvelles choses pour Lilou. Voilà les filles, donc je vais mettre tout ça sur Vinted maintenant. Comme ça, c'est fait. Et je m'attaque à mon côté, à moi, pour le rangement. Et je vous reprends plus tard. Thank you.
je reprends par ici, il est 4h30. On a un petit Lilou derrière impatient. On va sortir, je vais l'emmener au parc jouer un peu. En plus il fait beau donc on va aller prendre l'air. On prend le vélo et on va passer un petit moment là-bas. C'est parti, de toute façon je vous emmène avec nous au parc. Le lendemain, donc le matin, il est 9h30. Je vous ai pas trop pris hier soir tout simplement parce qu'on est rentré tard à la maison. J'ai laissé les loups bien profiter au parc. En plus, il faisait bon, comme je vous disais, il faisait pas froid et tout, donc on a profité jusqu'à la fermeture du parc, 19h. Et c'est super bien amusé et c'est l'essentiel. Et du coup, ouais, on est passé à la boulangerie juste à côté. Ma boulangerie préférée, elle est juste à côté au parc. Là, on emmène les loups. Du coup, j'ai pris des petites choses à emporter. J'ai pris des crêpes salées, des quiches, on a pris également des petites tartelettes comme ça aux fruits, qu'est-ce que j'ai pris d'autre, et c'est tout il me semble, ouais c'est tout, j'avais tout simplement la flemme de faire à manger en rentrant le soir, et là je m'apprête à préparer les bardées, les filles, pour celles qui connaissent pas, c'est des crêpes aux 1000 trous, je suis désolée pour le bruit du fond, j'ai envoyé une machine ce matin, et oui on va faire ça ensemble, vous allez le voir, c'est une recette très 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 facile. Ça va très vite, ça nécessite aucun temps de pause. Les filles, je vais quand même arrêter la machine, comme ça, ça vous permet de bien m'entendre. J'en reviens. Alors, les filles, moi je vais faire le mélange dans le e-compagnon. Sachez qu'il faut quand même avoir un mixeur, un blender, ce genre d'appareil-là pour préparer la pâte en fait. C'est le secret de la réussite. Personnellement, j'ai jamais fait ça à la main. Je sais qu'il y a des personnes qui le font à la main, qui mélangent à la main. Donc, je peux pas vous garantir le résultat si c'est réussi ou pas, parce que moi je le mélange toujours de cette façon-là. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous noter tous les ingrédients en bas d'information. Et là, on va faire les étapes ensemble. Je vais mettre de l'eau. Il faut que ce soit de l'eau tiède, les filles. C'est parti. Je vais brancher mon... Autre petite précision, les filles, pour mesurer vos ingrédients, en fait, vous prenez un verre. Donc là, j'ai pris moi un petit verre. Enfin, il est moyen comme ça. Donc c'est le verre avec lequel je vais tout mesurer. Après, vous adaptez selon la quantité que vous voulez faire. Si vous voulez faire plus de crêpes, vous prenez plus grand. Et si vous êtes seul, vous prenez un peu petit. Alors, une fois ça fait, je vais ajouter ma levure de bière. Une bonne cuillère à soupe. Voilà. Je viens également ajouter ma farine. Pour la semoule, les filles, je vous précise, il faut que ça soit de la semoule extra fine, de la semouline en fait. Pas de la semoule fine ou moyenne, il faut vraiment que ce soit de la extra fine. J'en ai acheté hier exprès. Hop. Les filles, je vous montre la semouline. Pour celles qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est tout fin. Ça ressemble un peu à la poudre d'amande. C'est vraiment très très fin. Ensuite, les filles, j'ajoute mon sachet de levure chimique. Un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez zapper l'étape, les filles, si vous n'avez pas de sachet de sucre vanillé. Vous pouvez mettre de la vanille liquide, par exemple. Mais c'est juste pour le goût. C'est pas obligatoire. Hop. Et une petite pincée de sel. Voilà. Le secret, les filles, pour réussir les bardées, c'est qu'il faut bien mélanger. Moi, je vais mettre en puissance 10 pendant 10 bonnes minutes. Voilà. Et je vous reprends pour la suite. Voilà, les filles, la pâte pour nos bardées est prête. Vous voyez, c'est une pâte lisse comme ça, homogène. Il faut une bonne poêle, les filles, justement, pour réussir aussi la cuisson. J'ai mis juste un tout petit peu de gras. Je mets du beurre.
Je chauffe bien ma poêle. Mais tu m'as dit quoi? Tu veux dire quoi aux filles? Moi? Oui? Moi, je regarde la télé. Tu regardes la télé, mais tu m'as dit quoi? Maman, allume la caméra. Tu veux dire quoi aux filles? Tu veux dire quoi? Je dis bonjour. Bonjour les filles. Tu leur envoies un bisou? Tu fais un cœur? Mon amour. Je sais. En fait, j'étais en train de faire le montage du coup de la vidéo que vous êtes en train de voir et je me suis rendu compte que je vous ai pas montré le rendu final du vase. Écoutez, hop, je vous mets par là, comme ça vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien par ici comme ça? Comme je vous disais les filles, je suis vraiment ravie du résultat. Donc je l'ai mis dans le plateau que j'ai acheté chez Action. Attendez, je vous prends par là. Hop là. Voilà, de face, c'est mieux. J'ai allumé la bougie de chez Action également parce que je viens juste de filmer un reel en fait sur Instagram. Je l'ai éteinte parce que c'est pas du tout pour la faire brûler, c'est juste pour la déco. Et voilà ce que ça donne le vase de plus près. Après vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est justement cet effet là que j'aime bien. C'est un effet mat. Un peu, pas brillant, mais plutôt, oui, mat lisse. Voilà, c'est un mat lisse. Voilà, les filles, si vous avez un vase de couleur ou un vase transparent un peu qui vous monte à la tête, bah écoutez, ne le jetez pas. Vous pouvez toujours le reprendre avec un petit peu de peinture de chez Action. Et voilà, ça fait très bien le job. Sur ce, les filles, je vais aller terminer le montage de cette vidéo, comme ça je vous la poste rapidement. J'ai bien avancé, il me reste juste cette partie-là que vous êtes en train de regarder, une petite miniature sympa pour la vidéo. Et écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je sais pas trop comment ça va être, je vous ai un peu pris par-ci par-là. J'ai pas vraiment vlogué tous les jours entièrement, mais voilà, c'était des petits moments par-ci par-là avec moi, avec nous. Comme d'habitude les filles, je vous fais des millions de bisous, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!